Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On avait évoqué les 5 points à la dernière vidéo, donc on va continuer sur les 5 points suivants, inshallah. Masha'Allah, Allahumma barik. Le Caire est très bien desservi pour tout ce qui est transport en commun ou même transport avec les applications comme InDriver, Uber, Karim, etc. etc. Donc on n'a pas à se plaindre par rapport au transport comparé à d'autres pays, alhamdoulillah. Mais le bus reste quand même le moyen de transport le moins cher. Tu peux l'arrêter peu importe dans la rue en faisant des petits signes de la main. Si tu veux aller à Awal en faisant le signe 1. Si tu veux aller à Sadis en faisant le signe 6, etc. etc. Alhamdoulillah, l'Égypte, enfin le Caire surtout, est très bien desservi. À titre d'exemple, les grands bus, ils sont à peu près à 5 guinées, ce qui vaut 25 centimes. Allahumma barik. T'as l'eau, l'électricité, internet chez toi, t'as des belles routes, t'as des beaux hôpitaux, t'as le métro, t'as le monorail qui arrive, t'as des ponts de malades, enfin ils construisent à chaque fois. Sincèrement, ça avance très très vite. Et ça, Allahumma barik, on peut que être satisfait de cette chose-là. Ça peut paraître fou de dire que, alhamdoulilah, tu as l'eau chez toi, l'électricité, internet, mais dans d'autres pays, je sais de quoi je parle. T'as pas l'eau tout le temps, t'as pas l'électricité tout le temps chez toi, et ne parlons pas d'internet. Donc ça fait vraiment partie des choses. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma quand même. En parlant de construction, t'as des centres commerciaux de fous maintenant, t'as des compounds de malades, t'as des salles de sport, n'en parlons pas. Franchement, ça avance très 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 vite. Masha'Allah, la santé ici, il y a de bons hôpitaux, tu as de très bons médecins, masha'Allah, que ce soit des opérations dentaires, c'était pas très cher, ça s'est super bien passé, accouchement, ça s'est super bien passé, et d'autres choses, franchement, le prix aussi qui est très intéressant, tu as de tous les prix ici, tu as vraiment des trucs vraiment, vraiment charbi, c'est moins cher, tu as des trucs milieu de gamme et tu as des trucs haut de gamme, et même la haut de gamme, ça reste pas cher comparé à d'autres pays. Là où j'étais, je me suis déjà fait hospitaliser dans d'autres pays, je peux vous dire que les prix en Égypte, par rapport au rapport qualité-prix, ça n'a rien à voir. Il y a d'autres pays où tu payes vraiment, vraiment, vraiment cher. Donc on n'a pas à se plaindre de ce côté-là non plus, alhamdoulilah. À titre d'exemple, encore une fois, un accouchement dans un hôpital plus que correct, comptez 6000 guinées, soit 300 euros à peu près. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, alhamdoulilah, tout le monde peut profiter. Un enfant, il rentre très très tôt à la maternelle, entre guillemets, à la hadana, et ils avancent vraiment. À titre d'exemple, je me rappelle que ma fille, elle était rentrée à 2 ans et demi, et je voyais, ils apprenaient tuhfatul atfal, ils apprenaient du Coran, ils apprenaient beaucoup de choses en mathématiques, et nous, on était un peu choqués, on se demandait, mais c'est pas un peu trop pour un petit enfant? Je me rappelle que j'avais même parlé au directeur et qu'il me disait non, c'est normal, c'est le rythme de l'enfant. Et au final, j'étais super content quand j'ai vu l'avancement de ma fille. Sincèrement, j'étais très content. Et c'est une vraie ni'ma que tu ne trouves pas forcément dans d'autres pays. J'en parlais avec un frère. Il y a d'autres pays où tu rentres très tard à l'école, tu avances beaucoup plus tard. Là où en Égypte, tu commences tôt, tu as de bonnes structures pour les enfants, que ce soit les matières religieuses, que les matières mondaines aussi. Pour ceux qui connaissent le programme égyptien, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, masha'Allah. Et pour les adultes aussi, ce que je disais aussi, les adultes, ils peuvent beaucoup, beaucoup profiter ici, en profiter pour apprendre un métier. Il y a des gens ici qui sont venus, ils n'avaient pas de diplôme, ils sont repartis avec des diplômes. Ils ont appris des métiers comme dentiste, comme informaticien, comme, je sais pas, comme couturière. Il y a moyen d'avancer pour les adultes comme pour les enfants. Et ça, c'est une vraie ni'ma. Dernier point, Masha'Allah, l'Egypte, là où il est placé, sincèrement, tu es à 4 heures de la France si tu veux aller voir la famille. Tu es en Afrique si tu veux aller en Afrique. Tu es juste à côté de l'Asie. Si tu veux aller faire une Umrah, c'est pas cher, c'est à côté. Donc la position géographique, c'est vraiment, vraiment un point positif, Masha'Allah. À titre d'exemple, encore une fois, des vols, par exemple, Le Caire, Médine, pour moins de 300 euros en vol direct, 2 heures de vol pour moins de 300 euros. C'est vraiment intéressant, Allahumma barik.
Bon, il y a encore beaucoup d'autres points, mais on vous laissera les découvrir une fois sur place, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.